besoin d'un peu d'amour. J'ai 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 besoin d'un peu d'amour. Ce qui fait que même nos États tels qu'ils fonctionnent, ce qu'on appelle aujourd'hui développement, c'est mettre en place des structures qui sont des structures de vie occidentale. Donc les gens préfèrent quand même aller vers l'original que de rester vers où on essaie encore de faire une imitation qui n'est jamais aboutie. Et lorsque, par exemple, des petits Camerounais ou des petites Camerounaises voient un feuilleton avec des étudiants riches brûlant dans des grosses voitures, mais ils ne font pas le décalage entre ce qu'on voit au niveau du feuilleton et la réalité. Ce qui fait que la surprise est souvent énorme lorsqu'on arrive ici, on se rend compte que c'est qu'on a vu à la télé. C'est pas du tout comme ça. Quand on parle aussi de la fortune, il n'y a plus de valeur à l'Afrique. Je crois que avant, c'était une société qui était plutôt traditionnelle. On respectait des personnes âgées, on respectait des valeurs traditionnelles. Maintenant, avec la mondialisation, comme l'a dit M. Amou, les valeurs sont véhiculées par l'Occident, qui non seulement être bien pour l'Occident, c'est quoi? En Afrique, on n'a plus notre valeur de bien-être. Être bien, c'est quoi? C'est rouler dans une voiture. Être bien, c'est quoi? C'est avoir la lumière. Être bien, c'est quoi? C'est ouvrir l'eau et l'eau coule. Être bien, c'est quoi? Ce n'est pas avoir mal. Être bien, c'est quoi? Ce n'est même pas souffrir. C'est avoir le minimum pour vivre. Et c'est ce qu'on inculque à nos jeunes actuellement. Et ceci est véhiculé, comme on l'a dit, par la mondialisation, par Internet, qui où tout circule et tout et n'importe quoi. Donc tout cela entretient le mythe. Nous avons nous-mêmes cette envie de rêver nos vies ailleurs. C'est-à-dire, quand je dis rêver nos vies ailleurs, ça veut dire mentir également sur notre statut réel. Parce que beaucoup d'Africains fonctionnent comme ça. Beaucoup d'Africains fonctionnent sur un habillage de leur statut alors qu'ils n'ont pas les moyens concrets de ce qu'ils affichent au niveau de la société. Et ça alimente pour elles. Vous avez parlé actuellement du mythe de l'immigré quand il rentre. Il est tellement respecté. Il est signe de réussite. Mais ce n'était pas le petit garçon qui vendait les arachides au coin de la rue. Mais regardez, il a une voiture. Donc, c'est... Mais ici, nous sommes tous conscients que la vie n'est pas facile. Ces personnes-là qui vont véhiculer cette image-là savent consciemment ou inconsciemment que ce n'est pas la réalité ici. J'ai un collègue sénégalais, historien, à l'université chez Cantadou, qui me dit toujours, Thierry, si aujourd'hui des Français arrivent au port de Douala avec un bateau et disent dans les médias, nous avons un bateau ici qui recherche des esclaves camerounais qu'on va amener en France. Mon ami qui s'appelle Tim Ibrahim me dit souvent, avant midi, le bateau sera plein. Va à l'école, c'est ça qui te sauvera. Va à l'école dans ton pays, c'est ça qui te sauvera. Donc, les contre-discours sont vraiment perturbants pour nos jeunes et pour les candidats à la migration. Je voulais aussi parler, comme M. Amou vous l'a dit, de la représentation que l'on fait de l'Occident. C'est comme ça, avec la colonisation. On a déstructuré une société, on a un modèle, c'est-à-dire que c'est un blanc qui connaît les biens, il fait comme un blanc. Chez nous, c'est un compliment. Bon, ici, quand je venais, c'était pour faire un master. Bon, c'est pour ça qu'on vient en général. Bon, pour ceux qui ont des diplômes universitaires, des premiers diplômes universitaires au Cameroun, je crois que beaucoup viennent pour ça, pour pousser au niveau des études. Et bon, c'est vrai que normalement c'est pour entrer, mais beaucoup restent ici. Ça c'est une chose aussi. Et vous, après vos études, vous allez rentrer au Cameroun? Ça c'est mon plus grand souhait, de rentrer au Cameroun.
je l'espère aussi. En termes de souhait, c'est toujours facile, n'est-ce pas, d'accuser les autres. Ça, c'est trop africain, ça. Parce que, je crois qu'il y a le macroéconomiste qui est là, en 60, le Cameroun et la Corée avaient les mêmes chances de réussite. La Corée du Sud. Le Cameroun était même plus avancé que la Corée du Sud. À moi, ce qui me dit le contraire. Mais aujourd'hui, regardons à quel niveau se trouve la Corée du Sud et regardons à quel niveau se trouve le Cameroun. Bon, le continent africain, c'est quoi? C'est un continent de manque de démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Afrique. Il y a la guerre. Les gens se font la guerre tous les jours. À l'heure, je vous parle, il y a pratiquement la moitié du Mali qui est occupé par une guerre. Il y a le Congo, le cœur de l'Afrique, le pont de l'Afrique, qui est en état de guerre. Il y a la misère. Il y a le sida. Moi aussi, je suis Camerounais. 100 Camerounais qui arrivent ici, 50% ont le vu du sida. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les médecins qui le disent. 50% de ceux qui arrivent ici, qu'elles soient mes étudiantes, qu'elles soient malades. C'est vérifié. C'est la réalité. C'est la réalité. Bon. Et puis, ce manque de justice sociale. Est-ce qu'au Cameroun aujourd'hui, une maman peut envoyer son enfant à l'école s'il n'est pas fait de bourgeois? Tous les voleurs des grands chemins sont en train de se faire un procès devant le peuple et personne ne parle. Personne ne parle. Les gens ont pillé le Cameroun pendant 30 ans. Tout ce qu'ils ont laissé, ils ont tout mangé, ils ont dilapidé. Personne ne parle. Aujourd'hui, à la télévision, ils sont en train de masturber avec un soi-disant procès. Voilà la réalité de notre continent, en particulier de notre pays qui est le Cameroun. Alors, vu de là, est-ce qu'il faut toujours accuser les Occidentaux? La Chine qui est aujourd'hui un pays émergent, la première puissance économique du monde aujourd'hui. Mais ils ont quel ressource? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais ils viennent encore piller en Afrique pour construire le pays. Une maman qui accouche à l'hôpital, on ne va pas confisquer son bébé parce qu'elle va payer les frais de sortie. L'État s'en occupe. Hein? C'est ça la réalité. Le chômeur qui ne travaille pas, il a au moins ce qu'on appelle l'aide sociale, le minimum d'existence. Est-ce qu'au Cameroun il y en a? Est-ce qu'au Cameroun il y en a? Mais posons la question de savoir pourquoi est-ce que le Cameroun n'avance pas. Et c'est ça les raisons aussi de l'immigration. Vous voyez des gens qui viennent ici à 50 ans et disent qu'ils viennent étudier. Tu viens étudier quoi à 50 ans? Quand tu es déjà en fin de vie. Tu viens étudier quoi à 50 ans? Hein? Donc si je comprends bien, la faute... Les gens sont ici là, les étudiants sont ici à 23 ans, ils sont dans la vie professionnelle. 23 ans. Je vois le seul qui vient ici penser qu'il a dit qu'il a fait des études. Tu veux étudier. Donc si je vous comprends bien, la faute c'est pas aux Occidentaux. C'est pas aux Occidentaux, c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes. Et quand vous faisons notre propre procès. C'est quoi? C'est l'État, c'est le gouvernement? C'est nous tous, pas, c'est pas l'État. C'est nous tous. C'est tout le corps social, c'est pas seulement l'État, c'est nous aussi. Vous parlez de ceux qui vont se vendre au Cameroun, mais c'est normal. Hein? Il a échappé à la misère, il arrive, il a un minimum vital, il retourne au Cameroun, il dit j'ai réussi. Mais il fait semblant de dire qu'il a réussi. Un étudiant qui vient étudier en Europe, quand il arrive, il a tout. Si le garant est chômeur ou qu'il travaille, il n'a pas les allocations familiales, mais il faut voir l'âge. L'âge est juste de 25 ans, c'est quelque chose que je pense. L'immigration, les gens viennent sans savoir où ils vont en fait. Et moi, c'est un point que je trouve très très important, c'est-à-dire que celui qui immigre doit au moins prendre la peine de connaître là où il va. Mais venez en connaissance de cause. Elle va s'intégrer comment? Par le travail et la formation. Le travail, quand vous venez. Mais c'est ça les conséquences d'aller chez les vous autres. Vous n'avez pas de papier. Quand vous voulez aller chez les autres, il faut assumer. Restez dans votre pays et construisez votre pays. Je vais passer la parole à une personne. Je crois qu'il faut revenir un peu au thème de notre rencontre ici aujourd'hui. L'Europe est-il un Eldorado? Donc, pour ce genre de questions, on peut répondre par oui, on peut répondre par non. Vraiment, le débat est vraiment trop passionnant, mais il faut le dépassionner. Moi, j'aime toujours qu'on parle sur l'étymologie, c'est-à-dire comment l'homme étymologiquement vit. C'est-à-dire, tout être aspire au bien-être. Ça, vous ne pouvez pas le débat. Même l'Européen, dans sa vie, il aspire au bien-être. Si aujourd'hui, j'ai vu un film où on avait dit. Et si l'Afrique devenait le paradis, comme on dit, Africa Paradise, et qu'aujourd'hui il y a tellement de guerres en Europe, des maladies, je crois qu'il n'y a personne ici qui va arrêter un Européen d'émigrer
vers là où il aspire au bien-être. Donc c'est pour dire que le paradis se trouve partout. Même l'Afrique, là, c'est un paradis. Il y a certains qui vivent 100 fois mieux en Afrique qu'ici. Il est agressif vis-à-vis de moi par rapport à une autre personne d'une autre nationalité qui est là. Je comprends que le noir qui a économisé, qui a ce rêve de partir, arrive en face de moi et je lui dis, mais vous savez, l'aide que vous avez besoin droit ici, c'est l'aide médicale urgente, je ne peux rien faire pour vous. Donc je me dis en ce moment, je l'ai tué en fait. Est-ce qu'il va comprendre que ce n'est pas moi? Est-ce qu'il va comprendre que j'applique certainement une loi et que je suis tenue à respecter cette loi-là? Le titre est « Le Christ était-il chrétien ?» Et puis j'ai un livre qui présente les actes de la Fondation Mouni. Voilà, si les gens sont intéressés, ils peuvent les avoir. C'est tout ce que j'ai pu porter. Les autres sont lourds. Comment voulez-vous qu'un informaticien qui n'a jamais vu un ordinateur puisse travailler? Et je me redirige vers M. Amouma, juste pour ajouter, on ne peut pas éteindre le rêve d'un jeune. Je prends le cas des jeunes parce qu'actuellement ce sont les jeunes qui voyagent plus. Oui, il n'y a peut-être pas de formation, mais ici, on travaille pour aller en vacances. On nous demande de nous intégrer. Il y a l'intégration. Quand un Européen travaille pendant sa période de vacances, il prend ses petites vacances pour aller se distraire, se défouler. Mais c'est la même chose que ces Africains qui voyagent. Mon association fait dans les équivalents des diplômes les inscriptions. Et on a un constat, c'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens même à 40 ans veulent venir étudier. Et lorsque moi, je ne me moque pas d'eux. Je juge que c'est le rêve, non seulement le rêve, il y a aussi un problème qui se pose. Le problème, c'est celui-ci. Lorsque tu te présentes au Cameroun, dans une structure, tu présentes ton diplôme. Celui qui vient de l'Europe, on le prend. Celui qui a fréquenté au Cameroun, malgré qu'il a mieux fréquenté concernant le vécu du Cameroun, on le met de côté, on prend celui qui vient de là. Donc, ce qui fait que ça donne l'envie à tous les autres de partir. D'accord. Puisqu'il y a un artiste qui nous a rejoint, c'est vrai qu'il arrive un peu en retard parce qu'on a déjà bien avancé dans les choses. Je rappelle quand même les thèmes de la table, tout en sachant que vous êtes certainement au parfum du thème de Cheville de Paris. L'Europe, mythe ou réalité? Est-ce que l'Europe est-elle un paradis, comme pensent nos confrères africains qui sont en Afrique? Vous êtes camerounais. Est-ce que l'Europe, c'est un paradis, comme pensent nos confrères camerounais? Vous qui êtes artiste, il paraît que depuis un certain temps, les artistes partent de leur pays, soi-disant qu'ils viennent faire des productions sur les jeunes, je ne sais pas quoi, mais on les retrouve en train de demander l'asile. Est-ce que c'est parce que ça ne va pas au Cameroun? C'est pourquoi ils ne partent pas. Bonsoir. Avec très bonne question, dans tous les niveaux, l'artiste a besoin de s'épanouir, de faire connaître son talent par le monde. Tu vois, au Cameroun, il n'y a pas d'aide. Et puis l'artiste a besoin vraiment de se faire connaître aussi. Et quand le gouvernement ne peut pas aider les artistes, ne serait-ce que pour avoir nécessaire des visas, même pour aller même prester ailleurs et pour valoriser son talent même en dehors de son pays, tu te rends compte que l'artiste est coincé au Cameroun et il va vivre là toute sa carrière et puis tu connais bien le Cameroun. Ce n'est pas que sur le paradis. Ce n'est pas que sur le paradis. Même ceux qui demandent l'asile, c'est parce qu'ils ont juste besoin, parce que tu peux voyager trois fois en Europe,
Et puis un jour, il arrive, on te refuse le visa. Par exemple, tu as un concert, peut-être à Paris, tu vas la jouer et puis tu vas à l'ambassade. Tu te dis peut-être que parce que tu es parti, tu es revenu, on te donne le visa. Et puis on te refuse le visa. Et puis tu te sens coincé, et puis ça fait mal. Bon, les papiers permettent un peu en sorte que l'artiste peut aller de gauche à droite. Et pour moi, je pense que ce n'est pas le paradis. Bon, ce n'est pas le paradis, c'est les dirigeants africains aussi qui ont foutu de la merde. Moi, je pense que l'Afrique n'a pas eu ses dirigeants réels. L'Afrique a été dirigée juste par les dictateurs. Moi, c'est ce que je pense. Juste par les dictateurs. Et puis les vrais dirigeants d'Afrique étaient morts depuis. Donc, dans tous les cas, tout le monde a ceci. Moi, je me charge. Merci. Puisque le temps nous tient à la gloire, je crois qu'on va ce débat. Mais avant, je vais passer la parole à M. Thierry Amougou, à Mme Annette Tinois, à Denis Melot pour un mot de fin. Pour le mot de la fin, je ne dirais pas grand-chose. Je dirais juste que si nous, Africains, quand je dis nous, Africains, je parle beaucoup plus de ceux qui sont aux affaires et qui sont responsables de l'avenir du continent, mais s'ils sont vraiment responsables de cet avenir, ils peuvent diminuer, je ne dis pas annuler, parce qu'on ne peut pas annuler l'immigration. Ça ne s'annulera jamais. Ils peuvent peut-être diminuer les mouvements de population qui sont évitables s'il y a une amélioration des conditions locales. Ça, c'est possible. Et je dirais également que c'est migrer est vraiment une décision individuelle. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'expliquer à quelqu'un que ce qu'il veut faire n'est pas réfléchi. Parfois, quand on veut trop expliquer, parfois les gens s'énervent. Les gens s'énervent pour dire tu ne veux pas que je vienne aussi là-bas ou quoi. C'est-à-dire, quand tu veux mettre quelqu'un devant la réalité. Donc, c'est vraiment difficile. Et il est peut-être important que quelqu'un vienne et que la personne, si elle meurt dans la mer, qu'elle meure là-bas. Si elle arrive ici, si elle a des difficultés, qu'elle vive ces difficultés-là. Au moins une fois. Peut-être qu'elle aussi va changer et peut-être de proche en proche, lorsque ceux qui seront coincés vont répercuter leur discours au niveau du pays d'émigration, ça pourra peut-être changer quelque chose. Mais, comme quelqu'un disait, tu peux le rêve de quelqu'un. Tant que le rêve est là, tant qu'il est vivace, les gens vont essayer de les réaliser. Merci. Madame Annette Tigouin. Oui, donc voilà, pour conclure ce que je dirais, l'Europe entre mythes et réalités, nous venons de bafouer les mythes. Nous avons vu des mythes entretenus par le migrant lui-même quand il retourne dans son pays d'origine. Nous avons vu des mythes légaux. Légaux comme les textes fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme, qui est un leurre. Nous avons vu également que dans la réalité africaine est tronquée. Nous sommes le continent est un pays riche en ressources humaines, en ressources naturelles, mais on nous a fait comprendre que c'est un pays pauvre, même pas pauvre, non, c'est un pays pauvre très endetté. Donc, c'est-à-dire qu'on est qualifié de pays pauvre à pays pauvre très endetté. Et comme nous tous nous avons constaté que c'est un problème forcément de bonne gouvernance et aussi un problème d'intérêt international. Donc, tant que tous ces phénomènes seront là, il y aura toujours l'immigration. Donc, c'est pas l'immigration qu'il faut combattre, c'est peut-être conscientiser nos jeunes sur les risques et les dangers de l'immigration clandestine, c'est-à-dire mourir à la mer, mourir dans les soutes d'avion. Mais d'autres voies légales sont quand même, n'est pas illégales. Quoi. Donc je dis, c'est, tout le monde est libre de circuler. C'est d'abord même ça, le socle de la mondialisation et de la globalisation. Donc le monde est devenu un petit village. Voilà. Au niveau des étudiants, moi je dirais, oui, le mythe c'est que on croit que les étudiants ici sont des milliardaires, des millionnaires, des milliardaires. Et la réalité, c'est que très souvent même, à la fin de nos études, on se retrouve en train, avec nos gros diplômes, en train de faire du ménage
à gauche, à droite, être des ouvriers dans des entreprises, apporter des cartons dans des entreprises, après faire des préparations de commandes pour les magasins. Donc, on n'est pas mis à notre juste valeur. Donc, que les étudiants prennent ça et vont raconter autre chose en Afrique, c'est assez déplorable. Donc, la réalité, c'est que voilà, ici, c'est on doit, oui, c'est dur, c'est assez dur aussi. Donc, avant d'avoir d'avoir l'autre statut, comme Madame le disait tout à l'heure, qu'il y a plusieurs statuts, avant d'avoir le statut belge, on rame. On rame et on rame tellement que même parfois avec ce statut de résident, on a perdu tellement de temps qu'on continue quand même dans ces métiers de aide ménagère et aide soignante. Parfois même d'autres s'arrêtent à aide soignante parce qu'il y a tellement eu de blocages, tellement eu de au niveau même des études, hein, il s'est dit, tu auras beau étudier 10 fois plus que les autochtones, tu auras la note de ta peau, quoi. Donc, et on finit aide-soignante, parce qu'on n'a pas pu finir, on n'a pas pu aller au bout de ses études. Donc, c'est ça les réalités des gens. Donc, quand on vient, on doit le savoir. C'est ici que pour faire ce débat, mesdames, messieurs, merci d'être venus. On dira merci à M. Thierry Amebou, merci à Mme Annette Thiroy, qui est, je rappelle, la présidente du collectif des femmes africaines du Guinée. Merci à Denis Meno, qui est la présidente des étudiants, de l'association des étudiants camerounais de Charleroi. Merci à vous tous qui êtes venus, chers téléspectateurs de PNSP, merci de nous avoir suivis. Le débat est fini, mais l'émission se poursuit. Comme je disais tout à l'heure, nous aurons plusieurs prestations artistiques. Merci encore et à la prochaine. Bon, je vais vous expliquer une histoire, c'est l'histoire de mon père. Un jour, j'ai dit à mon père, papa, aide-moi. Papa, est-ce qu'on a un problème? Mon père me dit, il y a quoi? J'ai dit, il y a quoi, quoi? Quand on déposait les enfants du monde, tu as fait comment? Ou bien, il a pris Franck Dia. Il a pris Yves Michel Tosso Mbongo, il a pris Ali Mbongo. Papa, tu as pris qui? De Paris. On avait un problème. J'adore les applaudissements, mesdames et messieurs, je les adore. Merci beaucoup. Bon, si vous faites une chanson, ça parle des femmes. Moi, j'adore les femmes parce que je respecte la femme. C'est vrai que moi, je dis que normalement, tout le monde va venir en même pour réaliser son rêve. Parce qu'il y a des gens qui sont au Cameroun, il aura un bon salaire, parce qu'il n'est pas encore venu ici, là, le gars ne peut pas économiser l'argent. Moi-même, avant de venir, je croyais que j'allais cueillir l'argent en route, mais maintenant, quand c'est l'argent qui va me cueillir. C'était le doux paradis pour l'Asbel Télespi, solidarité paradisiaque internationale. J'ai besoin d'un peu d'amour. 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 J'ai besoin d'un peu d'amour.